Bonjour à tous. I am pleased today to celebrate the Lloyd Redding Law Society, founded 70 years ago, to boycott the Montreal Bar Convention that was held in a resort that had, in 1948, a policy prohibiting the Jews to be on their premises. The whole community always benefits from the creation of organizations promoting fundamental rights. Je suis donc ravie d'offrir mes meilleurs vœux à l'Association de droit Lloyd Redding pour ses 70 ans d'implication au sein de la communauté juridique québécoise et montréalaise. Les juges de la Cour du Québec, de Montréal et moi-même sommes toujours ravis d'être invités aux différentes activités de l'Association qui nous permettent d'aborder différents thèmes et enjeux de notre société. Autant d'occasions sympathiques d'apprendre, d'échanger et de partager nos réflexions sur les enjeux de l'heure. Les relations entre l'Association de droit Lloyd Redding et la Cour du Québec remontent à il y a plusieurs années. Ainsi, j'ai repéré une décision unanime du conseil d'administration de l'Association, prise en 2005, d'accorder au juge en chef de la Cour du Québec le statut de membre d'office de l'Association en reconnaissance de l'intérêt et du soutien apporté à ses activités. Je n'ai pas poussé l'enquête jusqu'à savoir si ce titre était transmissible d'un juge en chef à l'autre. Quoi qu'il en soit, je serai toujours ravie d'accepter vos invitations et de participer à vos activités. Sur ce, je souhaite à l'Association de droit Lloyd Redding un très joyeux 70e anniversaire en mon nom personnel et celui de tous les juges de la Cour du Québec.